Dzieci, zwłaszcza poniżej 5 roku życia, należą do grupy ryzyka, w której szczególnie często występują powikłania grypy w postaci najczęściej zapalenia ucha środkowego i zapalenia płuc. La grippe va s'exprimer plus souvent par le fait que les gens arrivent en insuffisance cardiaque. Pour les gens qui ont des troubles de la marche, ils vont arriver parce qu'ils sont tombés. Pour les diabétiques, ils vont arriver parce qu'ils ont une décompensation de leur diabète avec l'hyperglycémie. Mais ils ne vont pas arriver pour la grippe que vous avez avec les yeux qui coulent, le nez qui coule, mal à la tête et mal partout. Dans l'insuffisance cardiaque, par exemple, on va demander au cœur de travailler un petit peu plus vite. Eh bien, le cœur, il a du mal à travailler plus vite et du coup, la personne se met en insuffisance cardiaque. Ben bir üçüncü basamak sağlık merkezinde çalıştığım için bu hastalar genellikle bizim hastalarımız oldukça fazla hastalığı olan, kronik hastalık yükü çok yüksek olan ve karmaşık hastalardır. Ve birçoğu da griple geldiği zaman bazen çoklu organ yetmezliğine hatta ölüme kadar ilerleyebilen, yoğun bakım yatışı gerektirebilen durumlara ilerleyebilirler. La grippe, faut savoir que c'est un tropisme non seulement pulmonaire, mais aussi cérébral, mais aussi musculaire. Ça peut entraîner des grandes manifestations de type toxique et d'insuffisance rénale, etc.